kickboxer français le plus connu et le plus reconnu. Il est d'ailleurs le plus titré dans sa catégorie et il a été plusieurs fois finaliste du K1 Grand Prix du Japon. En parallèle de ça, il donne de sa personne en tant qu'acteur de cinéma. Je vous demande une ovation, un tonnerre d'applaudissements. Geronimo, Jérôme Bernadet. Straight, high kick. Straight, high kick. Oh, very good. Again.
straight, straight. Ah, très bien. Very like this. One, two, high. Boom. Mais en savate, on a quand même des belles techniques de chasseurs ailleurs. Ce qu'on va montrer, parfois, ça arrive parce qu'on se trouvait hors distance. Des fois, on se retrouve ici. Bah, comment je fais pour attaquer mon adversaire? Bah, c'est tout bête. On fait un petit pas chassé pour aller chercher son adversaire et pour repousser dans les corps. Donc là, tout simplement, le jeu, c'est de reculer un peu, de se mettre à distance. J'ai les mains bien haut et. La clé, c'est d'armer le genou bien haut, le pas chassé évidemment. Quand je suis là, j'arme bien et ensuite je déplie ma jambe. Ok, ça c'est super. Après, quand on vous l'avait fait une fois, vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci, boum, en revers. Laisse vous perturber. Revers, voilà. C'est ça. Et dès qu'on a réussi à passer cette chose-là, après nous en BF, on a le droit d'aller chercher la jambe. Et ça marche aussi quand je décale sur le côté pour aller chercher, boum, la jambe arrière. Et parfois, ça peut permettre à l'autre de glisser. Ok, donc tout simplement on est là, on est bien sur la pointe des pieds, puis pour surprendre l'autre, hop, et boum. On peut just that. Ok. Le cacheton.